Salut à toutes et à tous, c'est Konski, on se retrouve dans le manoir de Noirbois et on a également Pedersvin qui revient avec normalement Govert qui traîne peut-être un peu la patte et j'espère qu'ils n'ont pas oublié les animaux. On a un Mufalo et un Mufalo mais c'est pas Mufalo Bill. Où est-il? Les voilà, ok, les animaux arrivent un peu en arrière mais ils sont bien là, toujours vivants, en pleine forme, ok. Cacao vous permet de semer des cacaoyers pour récolter votre propre de chocolat délicieux. Manger du chocolat satisfait le besoin de loisirs et est également précieux sur le marché. Très très bien. Ok, ça c'est super bien. Bon, les grands arcs, franchement, ça on va même pas faire les arcs, ça sert à rien. Tout ce qui est drogue, franchement, ça rapporte sûrement de l'argent, mais je m'en fous, je préfère avancer vers la droite. Et donc, on va pouvoir en fait faire le banc de recherche. Et avec ça, on pourra lancer une recherche un peu plus avancée. Je vais quand même rechercher l'extinction automatique d'incendie. On va peut-être pas, la faire à fond. Alors, on va faire donc. Normalement, je devrais avoir récupéré les composants. On en a 9. Oh, j'espère qu'ils ne les ont pas déjà utilisés. C'est pas vrai. Ne me dites pas qu'ils les ont utilisés pour réparer d'autres trucs. On dirait bien que si. Oh là là, attendez. Est-ce que je peux détruire quelque chose pour les récupérer, pour en récupérer? Parce que la 9, c'est trop dommage. C'est trop dommage. La télé, peut-être? Autant qu'on récupère une autre. Ce sera pas trop grave. Ou le mortier, faut dire ce mortier, il est gentil, mais il marche vraiment pas bien. Maintenant, quand il faut pas être trop être précis, genre quand des mecs m'attaquent, font un raid et qu'ils sont un peu éparpillés et qu'ils se préparent, ça peut quand même être pas mal. En tirant un petit peu dans le tas et de leur moyen de faire un carnage quand même. Bon, je vais quand même le laisser. Quel dommage, parce que je pense que c'est... Ouais, c'est 10 composants. Tralala. On a clairement les aciers qu'il faut, mais on n'a pas les composants. Ok, donc en faisant 3 de large, c'est pas mal, parce qu'on a des chaînes sur 2 rangées. Ça marche bien. Prénésitir, bus, bah tant mieux pour lui. J'ai enlevé la zone agricole ici, rassurez-vous. Non, je voudrais bien récupérer ceci. Allez, donne-moi un composant, s'il te plaît. Allez, vas-y, tu peux le faire. Oh, 3 composants, ok, super. Super. Production. Mais d'accord, il est super gros. C'est pire que ce que je pensais. On va devoir bouger des trucs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger ça. Un peu au-dessus. Ça. Là. Ça. Là. On va le faire rapidos parce que... Il faut pas que les composants soient utilisés à autre chose. Vite. 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 Allez, vite, vite, vite. Voilà, viens, viens, viens. Ok. Production. J'en ferai qu'un a priori pour l'instant parce que honnêtement. Ok, mon travailleur. Alors, mon constructeur principal, c'est Jet normalement. Il faut que je remette Pedersvin au minage. C'était en 1. Ok, donc Jet. Vas-y. On a toujours 12, c'est bon. Il va les réserver, il va les prendre. On va pouvoir avancer. Alors on va en profiter pour mettre un truc confortable pour la recherche ici. J'ai qu'un poste de recherche, on veut un bon fauteuil. Super, loupe pas ta construction mon gars, vas-y. Ma fille plutôt. Ok, on l'a, c'est bien. Énergie. Oh c'est bon. On va se connecter. Et donc on va faire en mobilier un bon fauteuil en laine de Mufalo a priori. C'est ce que j'ai en plus grande quantité.
ça va se faire après, pas de problème. Après, du coup, la recherche, je pense, avance plus vite avec ça. Bon, ça, je le veux pas tout de suite. On va demander les armes de précision. Allez, c'est parti. On veut les meilleures armes. Après, c'est peut-être pas vraiment les meilleures armes, puisque j'ai déjà un fusil à impulsion et... C'est après, en fait, ça. Dans le tir chargé. Mais bon. Le fusil de précision m'intéresse vraiment beaucoup. Allez, on y va. Buzz est en train de faire un siège, j'espère que ça va aller. Il a l'air un peu lent. On a un fauteuil qui est bon. Ok, ça va. C'est pas mal. Onde psychique apaisante pour les mâles. Très bien, on est content, pas de problème. Boriero se repose. Fini pour lui les ennuis. À lui le repos pour toujours. Alors, assignation. Alors, capsule de cargo, ok. Les ânes. Bon, je vais les garder pour l'instant. On les entraîne au transport. Et on va les mettre comme bêtes de somme. C'est quoi? Hein, du cuir de lézard, d'accord. On le vendra. Oh, il y a du marbre aussi chez nous, tiens, j'ai jamais remarqué. Attendez, on est où, là? Ah, mais non! On est... D'accord, je continue à avoir des events sur l'autre colonie parce que je ne l'ai pas abandonné. Mais... Ok, pas de problème, on y retournera, de toute façon. Au printemps, sans doute, on va continuer à les miner. Pataboum enragé. Attention avec ça, parce que ça explose, ces trucs. Hein. Mais je pense que les tourelles vont s'occuper de lui. Super. Alors, on va appeler les gens pour l'incendie. Donc, j'ai remis le Diablo d'eau ici. Ça grandit tranquillement. Et on a également demandé des plants de plantes psychoïdes. On a un petit peu de tout maintenant en termes de culture, je pense. Même des arbres. Et là, c'est le casque de commando que j'ai acheté. Tiens, je ne l'ai pas encore équipé. Libellule va le prendre. Ce serait bête qu'il se dégrade plus. Lièvre enragé, décidément, on est où là? De l'autre côté? De l'autre côté. On s'en fiche. Quête active, Kim offre une prime. Le traité d'Homer, beau, mais on s'en fiche, ils sont hostiles. Ça m'intéresse pas. On a Tadashi qui joue au fer à cheval. En marchant sur la tombe du pauvre salamandre. C'est peut-être pas l'idéal de le mettre là, mais on va le bouger ailleurs pour pas qu'il puisse faire ça, c'est quand même pas très cool. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le point de recueillement? Non, c'est le point actuel, d'accord. Ouais, là c'est pas mal peut-être. Okay. Est-ce qu'on commencerait pas à faire des statues en marbre? Je pense que j'ai quand même quelqu'un. Et non, on avait quelqu'un qui était bon en artiste, mais c'est fini. C'est fini pour lui. Donc le marbre, on va le garder jusqu'au moment où on aura de nouveau quelqu'un de doué. Bon, on a quelques armures qui sont terminées et les colons les prennent pas. Ah, Jet a pris. Attendez. Les colons les prennent pas, je me demande bien si c'est parce qu'ils sont au sol. Donc est-ce qu'on peut stocker les armures là-dedans ou pas? Vêtements, armure, oui. D'accord, on a un bouclier d'énergie. Bon, ok, mais il n'y a pas de place pour le reste. Je pense que c'est trop plein, donc il faut refaire des stockages.
Peut-être que tous ces vêtements du type que je veux pas trop porter, je devrais les mettre là pour les vendre aussi. Ils prennent la place ou alors on les recycle, je les brûle. Des guenilles et tout ça, c'est pas normal qu'on ait encore ça. Ah, c'est-à-dire encore brûler un vêtement, détail. On va revenir un peu dessus. Faut que ce soit horrible à bon, 0 à 50 points de vie. D'accord. À 50%. Maintenant, je pourrais dire qu'on prend tout et on met tout ce que je veux pas, quoi. Tant pis, on les vend pas. Pas sûr que ça vaille des masses d'argent, de toute façon. Non, j'ai pas envie de faire ça. Il a été porté par un mort en plus, c'est vraiment, vraiment... Alors, est-ce qu'on peut définir... De mettre ici. Autorise les vêtements qui n'ont jamais été portés par un cadavre. Oui. Laissez les vêtements qui étaient trop portés par un cadavre. Ok. C'est quoi la priorité ici? Elle n'a pas si importante. Hey, on pourrait mettre plus importante encore. Je sais pas trop comment régler ça, honnêtement. On a une grande sculpture excellente encore. Je vais l'installer, celle-là. Où est-ce que j'avais dit que je voulais rajouter? Dans la cuisine, on a déjà rajouté. L'atelier, je pense qu'il est déjà pas mal, mais on peut peut-être quand même en remettre une. C'était le stockage où il n'y avait rien pour enjoliver un peu. On a besoin de choses. On va mettre les deux. Et là, une excellente encore. Ce qui passe quand même souvent dans le stockage, donc autant rendre la pièce un peu plus belle. En fait, je devrais brûler... Vous savez ce qu'on pourrait faire, c'est brûler que les tous les vêtements portés par des morts. Comme ça, on s'en débarrasse. Toutes les qualités. Et on n'autorise pas les vêtements qui n'ont jamais été portés par un cadavre. Comme ça, tout ce qui est porté par un cadavre, on le dégage. Ça devrait potentiellement me soulager un petit peu au niveau de mes stockages. Allez, on avance pas mal au niveau de la recherche sur les armes de précision, hein, ça avance bien. Regardez comme ça file, c'est pas mal. Je serais content d'avoir un autre poste de recherche, mais clairement, dès qu'on aura 10 composants, on en fera un deuxième. Hein. Ça paraît clair. On va juste prévoir la place pour le mettre. Grossiste, un vaisseau commercial passe à côté. Ah ben voilà. Interplanétaire cadet. Allié à aucune faction. Donc on va... l'appeler avant qu'il dégage. Ok. Alors je peux vendre que ce que j'ai stocké dans mon aire de stockage malheureusement. Peut-être que je devrais mettre le jade, ça vaut de l'argent quand même. Il y a 25 composants. C'est pas si cher, je peux déjà me les payer. Waouh, oh là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je pense qu'on va prendre le composant avancé. Alors, quoi d'autre? Des chats, non merci. Chèvres, non. Les chiens, je vais les garder, nos deux chiens, ils sont sympathiques. Buffalo Bill, oh là, jamais je vais le vendre. Il a que 2 ans en plus. Il va nous servir encore longtemps. Les ânes, je vais les garder, comme ça j'ai quand même encore quelques bêtes de somme. On pourrait vendre le vieil étalon. Il a 22 ans quand même, avant qu'il nous lâche. Je vais le vendre. On a 10. Je pourrais acheter quelques plats simples quand même. Histoire de reprendre un petit peu d'avance. Ça coûte quand même pas très cher. Chemfuel, je m'en sers pas. On pourrait le vendre. Hein. Il y a 3200 quand même. Voilà, tissu clairement. On va vendre un max. Même si, attention, on s'en sert pour faire les...
Les bons fauteuils, ça coûte 110. Mais bon, on va en récupérer régulièrement. Ou alors c'est la laine de buffalo. Oui, c'est plutôt la laine de buffalo dont je me sers, je pense. Je vais la garder. Et puis tout ce qui est cuir, on en récupère très régulièrement. On va tout vendre. Ça marche quand même pas mal. En stockage, on va pouvoir vendre pas mal de choses. On va récupérer également des médicaments. Pourquoi pas. 24, cool. Comme ça, je dois pas les faire. Ça, j'ai pas besoin. Oh, un lit médicalisé en métal. Et un bon ici. Je vais en prendre un. Comme ça, on en aura un d'avance, un bon. Un casque renforcé en métal, bon. Oh, je finirai bien pas pouvoir les crafter moi-même. Hop là. Donc on va faire un deuxième poste de recherche avancé. Là, je suis content, là on avance bien. On avance bien. On va devoir reconfigurer un peu les lieux. Je vais le mettre là. On va bouger ça là. Ça là. Vas-y, bouge. Ah. J'espérais qu'il le bouge. Ça du coup. On va le mettre à côté du truc là. Donc ça va faire quoi? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, la chaise. 3, 4, 5. C'est comme ça que je dois le mettre. Donc je peux le mettre. Ou là. D'abord on va tout. On va bouger. On va bouger tout. Mettre celui-là là en attendant que pour faire de la place pour bouger cet établi contre l'autre. Voilà. J'avais dit que je ferais des fauteuils partout où je peux, mais priorité à la recherche. Ça, on va démolir. Ok. C'est parti. Poste de recherche high-tech. On va faire une copie de ceci. Pas assez de ressources, mais ça va venir. C'est bien la laine de buffalo, mais... Oh, on va en récupérer bientôt. Les chinchillas, vraiment, ils me... Je ne plaisent pas, on va les dégager. Même toi, petit Nicolas. Il va dégager. Alors ça, on va mettre la lampe peut-être de l'autre côté. Attendez, siège, les haches rouges, est-ce que c'est ici ou pas? Ils cherchent à assiéger la colonie. On peut attendre la fin du pilonnage ou aller les débusquer nous-mêmes. On va nous-mêmes les pilonner aussi, en espérant qu'on sera plus précis. Eh oui, et on va l'être. Est-ce qu'on a refait des obus? Ah merde, on a refait qu'un obus. On n'a pas eu le temps d'en faire plus. Ça, c'est fâcheux. Hein. C'est pas cool. On va aller les débusquer, alors. Ils n'ont pas l'air super équipés. Hein. Ça va aller. Ça va très bien aller. Ok. Tadashi, non. Libellule. On est tous en bonne forme. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je ne vais pas utiliser mon obus du coup. On va déjà avancer jusque là et voir ce qui se passe. Ils se font livrer leur matos. Ah, les pourritures. Ah, les pourritures. Je pourrais quand même tenter... On va tenter un tir. Pour le fun quand même. Voilà, avec un peu de chance, ça va toucher quelqu'un.
Tourne-le. Tourne le canon. Vas-y, tourne le canon. Tire. Ah là là. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est parti. Ça paraît pas mal. Oh non. On a fait péter un peu leur truc, mais ça a encore touché personne. Mais ça foire tout le temps, mais c'est incroyable. Où est-il parti? On va arrêter l'attaque forcée. Il s'est démobilisé tout seul. Bah, très bien, il a bien raison. Il s'est rendu compte que ça servait à rien. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Est-ce qu'il y a encore les carcasses d'animaux ici? Alors, on a foutu le feu, peut-être passer leur temps à devoir allumer, éteindre, ouais, ça c'est cool. Donc, allons-y. Pedersvin. Pas besoin de trop avancer. Jet. On va avancer un peu plus. Doc Brandy. Encore un peu plus. Buse. Buse, c'est pas mal. Pas besoin d'avancer trop. Toi, tu vas aller là. Park, tu vas aller là. Govert. Tu vas aller là. Et Libellule, tu vas aller te planquer ici. On va avancer un peu ceux-là quand ils sont un peu loin. Ah, vous êtes mal les gars, vous pensiez m'attaquer? Vous êtes fichus, oui. Vous êtes morts. On avance tranquillement. Ça, c'est le fusil à impulsion. C'est quand même sympathique, hein. C'est la première fois que je me sens un petit peu confiant dans ce jeu. Enfin, à part tout au début où c'était facile de se défendre, mais là, on les a dégommés. Ok. Oh là là, que ça fait du bien. Là, je vous avoue, ça fait super du bien. Ok, alors, on a un copain, là. Il est mort dans 7 heures, il y a encore peut-être moyen de le sauver. Il aime la cuisine, on pourra en faire un cuistot principal. Oui. Il aime les animaux. Il finira peut-être par devenir bon si on le met qu'à ça. Et à la cuisine. Et on pourra faire un combattant de mêlée quand même. Révulser des produits stupéfiants. Cancre. Ah, il apprend très lentement. Et nudiste. Ouais, c'est quand même pas terrible. Hein. Il a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Peut-être ça va venir avec le temps. On va quand même essayer de le sauver. Donc je vais envoyer Libellule le choper. On va démobiliser tout le monde. Bien joué, les gars. Beau boulot. Ouh là là, beau boulot. Très très bien. De l'argent, le pistolet, tout ça, on pourra le recycler ou le vendre. Fusil à pompe. Je pourrais mettre mes armes dans la zone de balise, comme ça on vend celles qui m'intéressent pas. Maintenant, on dirait qu'il n'y a pas de tag porté par un mort pour les armes. Je sais que c'est un peu tard pour me poser la question dans le jeu, mais... Donc ça, c'est pas un problème. On peut les vendre. Il y a également 4 composants, ouais, pas mal. 6 obus incendiaires, très bien. Alors, on va récupérer tout ça. Il faut quand même pas trop traîner parce que tout ça va cramer sinon. Et les obus, s'ils prennent feu, je vous dis pas, ça va faire une belle explosion. Oula. Oula là. Oula. Oui. Ok, ok, ok. Heureusement, j'avais pas de colon à côté.
c'est pas trop grave. Le reste, il n'y avait rien de si important, ça va. Ah non, c'est pas vrai. C'est une blague. Quoi? Ah, c'est pas chez moi. Je me disais aussi. Le problème, c'est qu'il va tout péter. Je sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas ce qu'ils font, en fait, quand... Il n'y a personne pour défendre. Est-ce qu'il va venir voler? Est-ce qu'elle va tout casser, mettre le feu? J'ai pas encore eu le cas. Alors déjà, elle a cassé le petit truc. Et le feu. Et part. C'est vraiment trop marrant. Oh! Ok. Ah, j'avais sans doute revendiqué parce que j'avais un peu tapé dessus, je pense. C'est dans la zone de la base. Paris est décédé, cause perte de sang. Okay. C'est pas grave. Ok, alors ça... Je vais le mettre là, je pense. Là. Non, là c'est... Ou comme ça. Comme ça, il gêne personne. C'est très bien. Libellule erre tristement. Claustrophilie insatisfaite, bon d'accord, mais... Ça va, c'est pas un seuil grave. C'est aussi le fait qu'il vient de voir les cadavres. Ça lui a pas plu. Mais qui est pourtant une grosse brute. On va revendiquer ça et on va le réinstaller, comme ça on aura deux mortiers. Bien sûr, pourquoi pas. Et à terme, on pourra même en avoir 3. 1, 2 et 3. Donc ça, on va réinstaller. On va mettre dans la zone de mariage, hein, c'est pas grave. C'est pas comme s'il y avait un mariage très fréquemment. On en a eu qu'un depuis le début. Je me demande si on stockerait pas les armes ici. Comme ça, celles qui nous plaisent pas, on peut les vendre. On va le faire. Alors, autoriser. Armes. J'avais déjà autorisé pas mal de choses. J'ai autorisé les armes, en fait. C'est juste que j'en stocke également là. On va peut-être arrêter d'en mettre là. Ça va être plus facile à les vendre si je me les mets de l'autre côté. On va mettre en priorité normale. Ouais. On va reconstruire quand on reviendra, c'est pas tellement grave. Si je reviens, parce que peut-être que je vais réussir à me débrouiller maintenant sans. Apparemment, on peut crafter les composants aussi, on m'a dit. Bon. Avant qu'on me dérange, je me demandais où j'allais mettre les armures, en fait. En fait, même chose, on pourrait les stocker là. Pour vendre celles qui nous intéressent plus. Pour stocker toutes les armures. Ceinture à fumigène. Ah oui, quand même, guenilles sauvages, on va pas les garder. Ce que je sais que je porte pas. Je peux mettre dedans. Voilà. Bon, est-ce que du coup ils vont venir s'équiper? Ah voilà, ok, cool. Je sais pas pourquoi ils pouvaient pas équiper quand c'était comme ça par terre et pas revendiqué. C'était pas stocké en fait, c'était pas considéré comme étant dans la base parce que c'était pas stocké. Il a le look Pedersvin comme ça, mais quel ours, quel ours. Par contre, il a toujours un bonnet. Est-ce que les casques...
Qu'est-ce que Basic? Oh bah voilà, il a été récupéré. Cool. Je trouve que là on avance bien depuis une ou deux vidéos. Et même très très bien. On a juste un problème de stockage des rations apparemment. Donc les pommes de terre, je sais que ça peut conserver assez bien à l'extérieur. On a vraiment trop de récolte tout simplement. On a déjà éliminé un petit peu, mais... Donc on va faire un stockage qui va être vraiment... Un stockage de nourriture comme celui-là. Je vais mettre les mêmes stats en fait. Mais on va... Ça va être là peut-être dans la montagne. On va mettre une priorité moindre tout simplement. Si c'est plein là, ils viendront mettre là. Voilà, on va copier les paramètres, coller les paramètres et on va quand même enlever tout ce qui est ration, aliment, tout ce qui est plat, ça je vais enlever. Tout ce qui est aliment cru, on va laisser. Tout ce qui est manufacturé, on va enlever. Donc c'est vraiment pour les aliments crus. Le foin, il est stocké ailleurs. Le pemmican peut être stocké là aussi, les croquettes aussi après tout. Et ce qui est important, c'est qu'on aura une priorité basse. Tandis que là, elle est normale. Le truc, c'est que... Bah, ils vont pouvoir mettre si c'est plein là. Terminer arme de précision. Apprendre à fabriquer des fusils d'assaut et des fusils de précision. Ok, super. Wow, ça a été encore plus vite que je pensais. Je suis un peu pris par surprise. Les boucliers d'énergie, c'est pas mal. Hein. Pour tous les corps à corps, il en faut. Il n'y a vraiment que libellule pour le moment, cela dit. La production de médicaments, on vient d'en acheter pas mal. Ça peut attendre un petit peu. Le scanner géologique, tiens donc. Permet de construire des scanners à long rayon d'action qui détectent automatiquement les affleurements de métaux précieux comme l'or ou le jade. Ok. La pompe à eau peut assécher un sol trempé. J'ai pas vraiment besoin. Les lits médicaux, ça m'intéresse bien. C'est-à-dire, j'en ai acheté un, il faut que je l'installe. Les capsules de transport, super aussi. Pour les armes, je vais attendre un petit peu avant d'avancer encore, mais on va faire les lits médicaux. Et on va installer un lit médical à la place de celui-là. À la place de celui-là qui est normal, je vais le démolir. Donc on doit l'avoir stocké. Après on va retourner de l'autre côté sur le problème de stockage, hein, bien sûr. Où est-ce qu'il est mon lit médical? Est-ce que seulement je peux stocker ça et donc est-ce qu'il n'est pas encore en train de pourrir quelque part? On est bien d'accord que j'en ai acheté un. Ok, j'ai pas reconnu mais c'est le lit médicalisé ici en métal. On va l'installer ici, comme ça on en aura au moins un bon. J'imagine que ça demande de l'énergie. On a une source pas trop loin, donc ça c'est ok. Alors, on va lancer. Après, je reviens sur les stockages, mais je voudrais quand même lancer la construction. De nouvelles armes. Donc ça va être... C'est pas ici? Ah si, c'est là. Fusil d'assaut et fusil de précision. On va commencer par le fusil de précision. On va en faire un. Et on va faire également un fusil d'assaut. Je vais monter un petit peu dans la file. Voilà, même avant les casques. Un de chaque. Je vais pas regarder les stats parce que je suis sûr que ce sera meilleur que ce que j'ai maintenant. Ça, c'est sûr et certain. Et ici, on va regarder. Alors, je vais faire différemment, en fait, ici. Sinon, ça va pas aller. Ça va pas se vider assez vite, ici. Donc, on va enlever... J'ai vraiment trop. Tout ce qui est pommes de terre, parce que je pense vraiment que c'est ce qui se conserve le mieux. On va enlever. Donc, produits crus. Végétaux. Pommes de terre, je l'enlève. Il y en a beaucoup déjà. Et ici, on va tout effacer. Je recommence et on met... Végétaux, produits pommes de terre, voilà. Ça
Ça me permet de vider un peu celui-là et de remplir l'autre. Ce sera la réserve vraiment en cas de coup dur de l'autre côté. S'il y a des choses qui pourrissent, pas. C'est pas grave. J'ai trop de toute façon, j'arrive pas à tout manger, donc c'est des choses qui pourrissent, on les perd, c'est pas la fin du monde. Risque de démence majeure pour qui Govert, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah oui, il est pas bien, il a plus de plaisir, mais je sais pas moi. Faudrait qu'on refasse une télé. Maintenant qu'on a acheté des composants, on peut en refaire une. Hein. Même deux, mais on va au moins refaire celle de la salle de cinéma. Donc loisir. La télévision cathodique, c'est important de la refaire vite. Vas-y. Bon, je pense qu'on va virer les armes de là parce que... Avoir deux endroits différents, c'est quand même embêtant. J'aime bien l'idée d'avoir une armurerie à l'entrée, mais... Ça va être plus simple pour les revendre à des commerçants. Donc, bon, si on met pas ça là, qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai trop de place en fait, on va tout effacer. Je sais pas trop. Peut-être des vêtements encore, on n'a jamais assez de place pour les vêtements. Vêtements et armure, donc je vais... Enfin, du coup, armure, on enlèvera parce que les armures, ça va être là aussi. Et je vais vite être plein en fait là aussi, c'est un peu le problème. Coller. Coller. Voilà, vêtements. Ok, on fera encore les petits détails plus tard. La télé est revenue, tout le monde peut se réjouir. Le lit médicalisé, il est ok. Chance d'infection de la chambre, 35% tant que ça, vraiment. Ok. Ça me paraît pas si sale pourtant, mais... Soit. Illumination artistique, mais je pense pas qu'elle est spécialement douée. Allez, on continue. Est-ce qu'on a perdu le mec qui faisait spécialement le nettoyage? Non. Des pizzas. Ouais. Allez, ça on recycle les armes dont on veut pas, c'est très bien. Ça a l'air de fonctionner. Après, bon. C'est pas une priorité parce qu'on a beaucoup de d'acier. Bon, on continue à bosser. Le fusil d'assaut. Travail restant 511. Ah, c'est le jet qui s'y est mis. Alors là, on m'a dit que je devrais peut-être quand même faire gaffe. Jet, par exemple, forgeron. Je l'ai mis en 1. Ça, c'est pas fait exprès, ça. C'est juste une erreur. Dommage parce qu'elle a commencé le fusil d'assaut. On verra ce que ça donne, s'il n'est pas bon, on le recyclera. La recherche augmente super vite. Et j'ai plus que un composant. J'imagine que les fusils, ils en prenaient. Hein. Pas fait gaffe en fait. 8 composants pour le fusil de précision, hein, d'accord. Donc on a intérêt plutôt à aller vers la recherche qui permet de prendre les composants. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même mettre le jade là, c'est précieux. On peut l'échanger sans le transformer. J'ai plus d'artiste de toute façon, donc bon, le jade est l'or, on va le mettre là. On n'en fera rien a priori de toute façon. C'est pas avec ça qu'on va faire des armures ou quoi que ce soit. Grossiste Dédia, cool.
On va pas les louper ceux-là, on va voir ce qu'ils ont à nous vendre. Et les haches rouges, c'est pour ici. Ils attaquent directement. Ils sont pas très doués les haches rouges, hein. Ils font pas trop peur. Ok, ils n'ont pas l'air bien méchants. Donc dommage, on n'a pas fini encore l'arme de précision. Il reste 525, donc on va pas pouvoir la tester pour l'instant. Pas grave. Alors Jet peut se mettre là, Doc Brandy là. Ah oui, il y a un foutu arbre, il faudra vraiment que je fasse ça, mettre des zones pour se mettre. Là c'est déjà pris. Attendez, où est-ce qu'ils sont là? Tire sur qui là? Est-ce qu'ils attaquent par plusieurs endroits? Je sais qu'il y a une... Ah oui, d'accord, il y en a plein là aussi. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Bon, les tourelles vont les arrêter pendant un petit moment. Ok, ils vont tous aller par là, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On met derrière l'arbre. Faut que je fasse plus gaffe aux flèches hein, quand elles apparaissent. Là, on les a tous tués. D'accord. Ils vont pas faire long feu, c'est moi qui vous le dis. Je l'ai dit, ils ont bien contourné nos défenses, hein. C'est très embêtant ça. C'est pas que c'est grave, mais ça m'énerve plus que grand chose. Faut avoir été attentif. Bon, ouais, il s'enfuit. Alors, il y en a un qui est pas mort, intéressant. Ils ont pas cassé grand chose, ils ont cassé une tour. Une tourelle. Ok. Bon mineur, bon constructeur. Il est paresseux, bon tant pis. Il est traînard aussi. Il peut s'occuper un peu des animaux. Intéressant. Bon, écoutez, c'est pas trop mal. Ah, on va essayer de le prendre, hein. Il a un peu de mêlée, mais ça va pas l'intéresser des masses, il va prendre lentement. On en fera quand même un soldat parce qu'on n'en a pas 36 000. Voilà, on va le capturer. Mort dans 6 heures, oh là là. On va quand même essayer. Et attendez, 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 attendez. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Waouh, 14 ans, oh là là. Ouh là 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 là. Comment faire pour ne pas la tuer? Je peux pas l'arrêter, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des armes qui sont moins mortelles que d'autres? Je peux pas atteindre la cible, mais si, attendez. Il faut pas la tuer, hein. Elle m'intéresse beaucoup plus que l'autre, zut. J'espère qu'elle est un peu ralentie. Ah là là. Elle file, hein. Pas trop moyen. J'arriverai pas à la voir. Bon, Doc Brandy, on va aller voir ce qu'il y a ici. Avant qu'il se barre. Enfin, j'arriverai pas à la voir. Dommage. Je l'ai vu trop tard qu'elle se barrait par là au lieu de partir par là. Zut. Bon, tant pis. Ok. L'important, c'est qu'on n'a pas subi de perte. On s'est quasiment pas fait toucher, je pense. Il y a du chocolat à vendre. Ok. Qu'est-ce qu'on va vendre, nous? Les dromadaires, on va pas les acheter, non?
On a 905 B, wow, c'est vraiment beaucoup. On va vider un peu le frigo du coup. C'est un peu bête à dire, mais... Allez, moins 250. Ça rapporte toujours un peu d'argent. Les composants, ok. 38, waouh. Wow, ça c'est bien ça. C'est super bien. On vend du tissu, voilà, on en récolte régulièrement. La laine de Mufalo, on en a besoin hein, pour faire les meubles. Tout ce qui est laine, du coup, on va essayer de garder. On a 12 joints. On peut en vendre un petit peu. On a plein d'ambroisie. On va en vendre. Ça. On a 180 bières en stock. Ouh là 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 là. On va en vendre 100. Regardez ce que ça nous rapporte. 8,71 l'unité. C'est pas mal. On va vendre les vêtements trop abîmés pour les porter. C'est pas mal. Ok, 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 on est pas mal. Bonnet en diabétoff, est-ce que je les ai fait ou est-ce que je les ai récupérés? Faut pas les avoir fait parce que je... Ah non, c'est pour les acheter, d'accord. Le casque simple en métal, il est à 48% bon. Je vais le dégommer. Des bonnes sculptures. Pourquoi pas, ça rapporte de l'argent. Mais là, il n'y a plus grand chose à me donner. On va les garder pour les mettre dans la base. Ah, dommage. Il était presque. Je peux tirer encore une fois dessus, mais c'était pas suffisant. On va tenter le coup. Mouvement 68%. Elle est quand même ralentie, mais... Ah là là. Dommage, j'avais des stats sympas. Mais on croisera d'autres ennemis, vous inquiétez pas. Et on va le laisser mourir, finalement. Il y avait Larry aussi, en fait. Mort dans 4 heures. C'était lui? Qu'est-ce que je transporte, alors? Rubber. Ah non, mort, d'accord. On est en train de... Ok. Ça va. Voilà, on a bien survécu. C'est le principal. Juste refaire la tourelle. On vient de racheter plein de composants. Et tranquille pour un bon petit moment. Eh, hey, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Quasiment plus que des bêtes de somme. Franchement, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est vraiment clairement le plus utile avec les animaux d'attaque, peut-être, mais ça, je n'ai pas encore trop. Le boomalop fait du chem fuel, mais très peu. Stock bit plein de foin, c'est bien. Encore cette zone-là de foin. Celle-là est disparu. On va laisser comme ça pour le moment. Alors, pourquoi est-ce que je fais tous ces plats simples? Parce que j'ai monté à beaucoup plus la limite. C'est 20, mais c'est du coup c'est 20 x 4. Pourquoi j'ai monté autant? Faire une mauvaise manip. On va faire 6 x 4. Ah non, c'est des raffinés, non, ça c'est bon. C'est ce que je voulais. Les plats simples. Vraiment mal indiqué parce qu'il met 64 sur. Déjà on voit pas, mais là c'est 4. Donc il doit plus en faire là. Faut qu'il fasse les raffinés. Soit. Bon, à tout transformer en pierre, honnêtement, c'est pas ma priorité. Vraiment pas.
Okay, une bonne sculpture. On peut peut-être découvrir un petit peu l'extérieur encore. Ou alors découvrir encore un peu plus l'intérieur ici. Ok, on peut toujours aller voir ce qu'elle a, mais... Du pemmican, des herbes médicinales, une massue en métal. 248 de pognon, un casque en simple en métal normal. Bon, c'est pas très très intéressant tout ça. Donc on va vendre un couteau médiocre. Ça, c'est l'arme d'un ennemi, je viens de le voir. Vaut pas grand chose quand même, hein. Pantalon en tissu médiocre, on va le vendre. Voilà, je récupère 58, mais pas grand chose d'autre à vendre. Pour l'instant, on a de quoi faire ceci normalement. J'ai vu qu'on était un petit peu monté en laine de buffalo. Et on va avoir le fusil de précision. Est-ce qu'on a terminé l'autre du coup, le fusil d'assaut? Je pense que oui. Recherche terminée, l'immédico. Ok, cool, cool, on avance bien. Le multi-analyseur, il sert à quoi? Base de la microélectronique, usinage. Déverrouille le multi-analyseur. Augmente la vitesse de recherche. Doit être placé près d'un poste high-tech de recherche. On peut en mettre que un à la fois relié, d'accord. Ça peut être utile. La tourelle autocanon. Des tourelles de canon à longue portée pour la défense de la colonie. Pas mal. Pas mal, mais j'ai pas assez de composants pour ça. On va faire la production de médicaments, c'est quand même très utile. Très important. Non, le fusil d'assaut est inachevé encore pour le moment. Ok, on n'est pas trop mal, mais il faut vraiment que je fasse gaffe quand j'ai un raid de bien lire. Parce que je deviens tout de suite un petit peu fébrile quand j'ai un raid comme ça, mais je dois regarder les flèches. Laisser en pause le temps de voir vraiment par où les ennemis viennent. Parce que ça va très très vite, ils sont vite sur nous, hein, c'est le problème. C'est vraiment un des plus gros problèmes que j'ai avec les raids. C'est la rapidité avec laquelle ils nous défoncent nos défenses, ils nous les passent en fait. En courant très vite avec leurs petites jambes. Voilà, les pommes de terre, regardez. 36 jours pour pourrir, 36 jours, c'est quasiment un an de jeu, un peu moins, mais ils ont la moitié d'une année, plus ou moins. Donc, au pire, ça pourrit, mais franchement, en une demi-année, on en aura reproduit d'autres. Donc, on va voir comment les stocks évoluent, mais... On a aussi beaucoup trop de smoke leaf. Je pense que je vais réduire la taille du champ. Maintenant, on n'a pas des masses en stock non plus, mais... À surveiller, pour éviter d'avoir un déséquilibre trop important dans le stock. Voilà, on va se quitter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Ça m'a beaucoup plu. On va continuer à essayer de bosser. Pour essayer d'arriver, bah, finalement... On est encore loin, mais... les morceaux du vaisseau, ils sont là. Ça permet de réparer le vaisseau et ensuite de partir et de terminer le jeu. L'armure de commando. On va juste voir voilà, l'assemblage de composants. Là, on va pouvoir, avec cet atelier de fabrication, faire des composants. Vu le nom, la recherche, ça paraît logique. Ça va vraiment être bien. Donc je pense qu'on va essayer de foncer là-dessus en fait après la production de médicaments. Foncer vers l'assemblage de composants. Si on peut les faire simplement en acier, c'est top. J'en doute, sans doute ce sera plus compliqué que ça, mais on verra. Ok, je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous.